Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo avec un produit qui change énormément. Oui, vous avez plus l'habitude de me voir utiliser des téléphones résistants sur lesquels je vais tester leur fiabilité, par exemple la résistance à l'eau, des choses qui vous font peut-être un peu rire, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-moi 2 secondes pour vous expliquer pourquoi je vous présente encore une fois une valise. Alors pour cela, il faut comprendre la marque Level 8 qui fait des valises et j'ai déjà collaboré avec eux sur cette valise. Et ça fait plusieurs fois que je la prends pour voyager. Et mesdames et messieurs, une très bonne valise change énormément le cours de votre voyage. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus esthétique également. Et également, avoir une valise qui est silencieuse, c'est génial. Bref, aujourd'hui, on est sur une nouvelle valise de la marque Level 8, la Roadrunner Carry-On 20 pouces, qui n'est pas si chère que ça. Et franchement, je pense que c'est un bon investissement. On est parti pour cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est parti pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir la valise Roadrunner de la marque Level 8 et vous allez voir que leurs produits sont bien léchés. Évidemment, tout est bien emballé. Et voici donc le colis, enfin la valise, et elle a des caractéristiques très intéressantes. Déjà, il faut noter que celle-ci, elle est très légère, elle a été emballée dans quelque chose d'assez sympa et on pourra le garder pour le rangement. Et voici la bête qui est ici. Et regardez bien la texture, j'ai choisi la couleur noire parce que je me suis dit que, franchement, connaissant les produits de la marque Level 8, hein, en anglais, eh bien en noir ça allait super bien rendre. Et je me suis pas trompé, hein. On a quelque chose avec, ouh, qui a failli tomber, une très belle couleur noire. Il faut savoir que celle-ci fait 4,3 kg, ce qui n'est rien du tout. 4,3 kg, c'est rien du tout. Une capacité de 38 litres au maximum. Voilà le volume global de cette valise avec une coque rigide, attention, en polycarbonate Macrolon de fabrication allemande. Alors autant vous dire que vos affaires vont être protégées. J'ai très hâte de découvrir tous les recoins de cette valise parce que un voyage avec une valise confortable, ça change tout le trajet. Je vous dis ça parce que j'ai déjà un produit de la marque Level 8 et franchement c'est un bonheur. Bon allez, on va la découvrir d'un peu plus près, je vous emmène directement avec ma caméra la découvrir. Allez, c'est parti. Je pense que je vous en ai mis plein les yeux avec toutes ces caractéristiques, mais attention, vous n'avez pas encore entendu le meilleur argument selon moi, cette valise est garantie à vie. Attention, garantie à vie sur les aspects fonctionnels, notamment la coque, les roues, les poignées et les fermetures éclair. Ça changera des valises en plastique qui font beaucoup trop de bruit et qui en plus de ça, au bout de 1 ou 2 ans, eh bien les fermetures éclair commencent à lâcher. Tout d'abord, regardez un petit peu la carrosserie de la Roadrunner. On a une coque qui est excellente, très très belle et surtout qui passe super bien en couleur noire. Et j'ai même pris le temps de la rétroéclairer en bleu pour que vous puissiez voir les reflets. Franchement, il y a une très belle couleur. Et c'est vachement stylé en noir, c'est bien pour cela que je l'ai pris en cette couleur là, il existe 3 coloris différents. Et voilà, là j'ai baissé un petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir très concrètement qu'est-ce que ça donne. Sur le milieu de la valise on retrouvera évidemment le logo Level 8, une valise qui est quand même assez grande, hein. On va pouvoir en mettre du volume jusqu'à 38 litres. Et en termes de taille, en hauteur on sera tout simplement sur du 55 cm. Sur le dessus on sera sur du 36 cm et en profondeur on sera sur 26 cm. Et en réalité il y a pas mal de choses à savoir sur cette valise, notamment sa conception qui fait en sorte d'avoir une valise silencieuse. Et ça c'est bien pour pas passer pour l'idiot du village quand vous allez tout simplement vous balader avec cette petite valise. Écoutez juste, aucun bruit. C'est grâce à ces roues à 360 degrés ultra silencieuses que vous allez pouvoir avoir quelque chose de très smooth qui va faire aucun bruit. Surtout, ce qui va être très intéressant, c'est l'aspect sécuritaire de cette valise. On va pouvoir avoir une double fermeture validée par la TSA. Et franchement, c'est le feu. Alors, je vais vous montrer le principe. C'est très simple. Vous allez simplement avoir à basculer par ici pour pouvoir ouvrir ensuite votre valise. Évidemment, pour basculer cela, il faudra connaître le code. Hein. Par défaut, il est de 00. Mais si je bascule ce petit bout vers ici, que je mets le code 1, 2, 3, 2... 3 et que je rebascule le petit bout de l'autre sens, mon code sera de 1, 2, 3, tout simplement. Hop, là, aucune possibilité de l'ouvrir parce que j'ai pas fait le bon code, mais si je fais le code 1, 2, 3, regardez bien, et 3, voilà, je vais pouvoir l'ouvrir. Ça ne s'arrête pas là parce que, évidemment, là, je vous ai montré ces fermetures, mais il y a l'autre fermeture, hein, donc c'est pour ça qu'on dit double fermeture ici. Hop, j'aurais juste également à fermer
Et j'aurai donc ma valise avec ces deux ouvertures qui sont sécurisées. Là, hop, et je ne pourrai plus l'ouvrir tout simplement. Donc là, je ne pourrai pas y accéder. Hop, 1, 2, 3, j'ouvre ici et j'ouvre là-bas. Et c'est parfait, j'ai accès à ma valise. Valise avec son manche, hein, évidemment, qu'on pourra rétracter. Et il est assez grand. Hein. Je vous le montrerai de plus près, mais voilà, il est quand même assez grand. On a évidemment une poignée sur le dessus pour pouvoir simplement la porter à la main. Mais également, regardez bien sur le côté. Ici, où est-ce que je pourrais simplement la porter par ici. Mais alors, cette valise est bien belle, mais niveau rangement, qu'est-ce que ça donne? Et bien, regardez bien cette première ouverture qui va nous permettre d'avoir un accès rapide à certains objets. Et regardez notamment, si je pars en voyage, je vais évidemment prendre un ordinateur portable. Voilà, un petit ordinateur portable que je pourrais placer tout simplement ici, dans cette petite pochette. Voilà. On pourra ranger un appareil eh bien, de 17 pouces. Mais si j'ai envie de m'amuser dans un avion, par exemple, ou dans une voiture, je veux avoir accès, par exemple, à une tablette rapidement. Et je vais tout simplement pouvoir caler une tablette par ici. Hop, c'est fait pour. Et c'est nickel. Voilà, une tablette allant jusqu'à 10,9 pouces que vous pourrez placer ici. Rien qu'ici, vous allez pouvoir avoir accès à quand même pas mal d'emplacements. Regardez bien, par exemple, on a aussi ces petites poches. Voilà, je peux mettre par exemple une batterie de caméra si j'en ai envie, mettre pas mal de choses. Ici, on a un petit filet. On peut ranger pas mal de petites choses supplémentaires et avoir quelque chose de très accessible. Le tout sera retenu ici, hein, mais ce sont simplement des scratchs, donc on pourra les enlever pour ouvrir entièrement. Et quand j'ouvre la valise, on a deux emplacements différents. Un premier emplacement qui sera eh bien, fait pour retenir des affaires, comme par exemple des pulls ou par exemple des pantalons. Donc avec cette petite cordelette, ça va être retenu. Je vais pouvoir l'ouvrir et la fermer très facilement. Quelque chose de simplifié pour retenir les affaires pour pas qu'elles se trimballent partout. Donc c'est excellent. Je vais l'ouvrir et je vais pouvoir par exemple ranger quelques pantalons et refermer le tout. De l'autre côté, nous aurons une grande ouverture qui sera plus organisée. Celle-ci est assez grande. Regardez, hop, en l'ouvrant ici, nous aurons tout simplement accès à cette partie-là. En dessous, on aura la poche accessible très rapidement que je vous ai montré. Mais en tout cas, on peut mettre par exemple des t-shirts. Je range ce qu'il faut et je peux refermer. Ensuite, évidemment, comme vous l'avez vu, on aura plusieurs poches. Alors, à savoir, une poche ici, un filet, donc on pourra voir ce qu'il y a. Et ensuite, ici, une autre poche, où est-ce qu'on pourra ranger des choses. Et on a aussi reçu cela. Alors ça va nous permettre de pouvoir marquer notre nom sur le milieu de la valise, c'est pas mal. Et je vais pouvoir la refermer. C'est parti. Pour l'instant, un des seuls désavantages que je vois à cette valise, c'est la poche ici, donc la poche avant. Ça va être problématique, regardez, ça va toucher un peu. Si on le fait un peu mal, ça peut toucher le bord de la valise, ce qui pourra la rayer au fur et à mesure. Mais ça, c'est uniquement sur la pochette avant accessible. Et allez, je referme tout correctement et nous sommes partis pour un test. Eh bien, c'est parti, j'ai fait ma valise. Malheureusement, je ne pars pas en vacances, mais je vais vous montrer que déjà, cette valise, elle est très silencieuse. Franchement, elle est très silencieuse et ça change des valises en plastique qu'on a et qui sont trop bruyantes. Et quand vous faites une passe dans un magasin, vous passez pour un troubadour. Alors que là, je vous laisse écouter. On a quelque chose qui est très silencieux et ça fait plaisir. Silencieuse, légère, c'est génial. Évidemment, vous avez vu le manche, comment il est. Hop, je le remonte, je peux le refermer, c'est résistant et je peux aussi la porter par ici et également par là. Même si je trouve qu'au niveau volume, on est quand même très élevé, alors la porter par là, ça déséquilibre un petit peu. Et à titre de comparaison, voici la Carrion Gibraltar que j'avais déjà reçue de la même marque. Et eh bien, elle est beaucoup plus facile à porter à la main que celle-ci. Parce que celle-ci aura plus de volume en l'occurrence. Je vous montre la différence. Voilà, on a quand même beaucoup plus de volume ici. Ici, moins de volume, plus compact. Et si j'ai besoin de quelque chose en urgence, paf, je déverrouille et j'ai accès à tout ce que j'ai besoin. Et regardez, si je pars en voyage ou en vacances ou en week-end, mais la valise, elle rentre évidemment parfaitement dans un coffre très facilement. Je pourrais peut-être même essayer de la tourner de ce sens-là, elle passe aussi. Alors autant vous dire qu'on pourra organiser tout comme on veut et ensuite refermer sans risque. Même si elle a un gros volume, on pourra quand même la ranger comme on souhaite dans notre coffre afin de la transporter partout. Et voilà, je suis prêt à partir. Donc, c'est parfait. Et regardez, actuellement, il pleut, mais ce n'est pas grave parce que la coque va tout simplement bien tout protéger. Là, même s'il pleut, il n'y a aucun souci, ça va le faire. La coque est très résistante
et va permettre une légère résistance à l'eau. Bon allez, nous on va rentrer parce que il pleut un petit peu. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du modèle Roadrunner Carrion 20 pouces ? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'elle est géniale si vous avez un peu de volume à transporter. C'est vrai que là, on est quand même sur 38 litres. C'est quand même pas mal. Personnellement, j'ai pas besoin d'autant de volume quand je me déplace, mais si par exemple vous êtes étudiant, ou du moins que vous voyagez souvent, pour des raisons professionnelles, pouvoir avoir un gros volume, c'est pas mal. Personnellement, la Gibraltar Carrion, le modèle que je vous ai montré qui est juste ici, me convient très bien pour eh bien, le volume que j'ai à transporter. Je fais une petite comparaison, comme ça vous avez eh bien, un point de vue sur le volume. La fermeture sécurisée, c'est excellent évidemment, ça y a aucun souci, on va pas avoir peur de se faire voler des affaires discrètement. Le fait qu'elle soit silencieuse, c'est excellent également. On pourra faire preuve d'organisation avec les rangements qu'on a, avec les différentes pochettes, et notamment, ce qui est excellent aussi, c'est la pochette avant. C'est une des premières caractéristiques de ce produit, c'est qu'on a une pochette à l'avant qui va pouvoir être accessible très rapidement. Parce que je vous laisse imaginer à tous les moments où est-ce que vous avez besoin d'accéder à votre valise. Alors, prendre la valise, la mettre sur le lit, enlever eh bien, toute la fermeture, ouvrir le tout, fouiller dans toutes les affaires pour trouver par exemple vos chaussettes, c'est vrai que c'est pénible. Et bien ici, avec cette première pochette, le problème est réglé. Voilà en tout cas encore un joli produit, même s'il y a une différence de prix entre la Gibraltar que j'ai déjà ouvert et celle-ci, la Roadrunner Carrion. Il y a une différence de prix, mais par contre, la qualité reste au rendez-vous. Alors donc, je vous redirige évidemment sans hésiter vers le lien de ce produit qui se trouve en description pour aller voir son prix et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je n'hésiterai pas à utiliser les produits de la marque Carrion pour voyager. Je vais notamment partir sans doute en Asie d'ici quelques mois et ça va être un bonheur de transporter mes affaires avec leurs produits. Ça, j'en suis sûr et certain. Enfin bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.